on a une petite sauce à la framboise. Alors les framboises, on n'arrive pas à les avoir fraîches en ce moment. On va utiliser des congelées. Alors elles sont un peu en compote, mais c'est pas grave. Elles vont se décomposer, ça va donner une belle petite couleur aussi. Le seul problème, c'est qu'elles sont un peu acides quand on les congèle. Elles ont perdu un peu de leur sucré. Donc on va peut-être rajouter une petite pointe dessus pour ajuster l'acidité. Donc on va commencer directement avec un fond de veau. On va le réduire pour concentrer le goût du veau. Okay, donc vous prenez la petite casserole comme ça, mettez-tu dedans. Okay. Vos fourneaux ils sont allumés. Alors ici c'est à plein pot. Oui, c'est. Et ici c'est éteint. Okay. Donc si ça va trop vite, descendez-le un petit peu. Okay. Donc mettez-le bien au milieu maintenant pour le chauffer, pour le réduire. Après, vous avez une échalote. Alors l'échalote, on va la ciseler. Alors attention avec vos doigts, elles sont épluchées, vous la coupez par la moitié, vérifiez qu'il n'y a pas un petit peu de marron, des peluches marron au milieu, s'il y en a vous me le dites, mais normalement non. Ok, et là, délicatement, vous regardez où la racine est, ok, il y en a des petites tranches comme ça, très finement. Après vous les coupez par la moitié, alors faites attention ici, bien à plat, mettez pas vos doigts sinon vous risquez de vous couper. Et puis après, très finement. Alors la quantité, on va voir parce qu'elles sont assez grosses. Alors vous prenez l'autre petite casserole,